Klappen auf, Saras. J'avais pas envie d'acheter une station de soudage pour souder finalement mes barres de nickel sur mes lions. Donc voilà, une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait avec un petit peu de récup. Bon voilà quelques petites explications. Ici donc vous avez le relais de puissance qui est commandé par un petit interrupteur. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça c'est du câble, c'est du 4 ou du 6 carré. Ici là j'ai utilisé deux fils de cuivre, mais vous pouvez prendre des clous en cuivre que vous trouvez dans des magasins de bricolage. La batterie c'est une batterie récupérée, voilà. Voilà, batterie de moto si vous pouvez en récupérer une. Donc ça je l'ai dit, ça c'est le relais de puissance. Là j'ai pris un support de radiateur que j'ai coupé pour faire la liaison, hein. Pas besoin de prendre une plaque en cuivre spécifique. Quoi d'autre? Oui, donc le relais est branché en dérivation et il est commandé directement par un petit interrupteur là. À noter que il est peut-être préférable de prendre un bouton poussoir qu'un interrupteur. Voilà, parce qu'il faut aller très vite, sinon vous risquez de tout cramer. Et puis là j'ai mis juste un petit voltmètre dont je ne me servais pas, pour contrôler la tension de la batterie. Voilà comment réaliser une petite station de soudure pour vos batteries Lion. Simple, efficace et pas cher. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye.